Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un petit concept que je lance sur ma chaîne en espérant que ça vous plaise. Il s'agit de une pièce 6 looks. Alors pourquoi 6? Au départ je voulais partir sur 5. Je me suis dit que 6 ce serait pas trop mal parce que ça ferait du lundi au samedi, sachant que le dimanche on est plus cosy, plus à l'aise, etc. Donc voilà, je vous propose 6 looks dans cette nouvelle section que vous trouverez en fait sur la page d'accueil. Il y aura une section exprès. Et aujourd'hui on va s'attaquer au trench. Pourquoi? Alors tout simplement parce que je trouve que c'est vraiment une pièce qui est un petit peu sous-évaluée. Il n'est réservé finalement qu'à l'automne, parce que dans l'inconscient ou dans l'idée, le trench c'est fait pour la pluie, alors que pas forcément. Il y a pas mal de looks hyper cool à se créer avec un trench, notamment dans des températures de printemps par exemple, ou de fin de journée d'été. C'est pour ça que je voulais voilà commencer par le trench, et puis après on en fera bien d'autres. Alors dans votre placard, je suis certaine que des trench vous en avez, vous en trouvez de toutes formes et de toutes tailles. Vous pouvez par exemple, comme celui-ci, en trouver un qui soit assez mou et assez fluide et bien long. Celui-ci c'est un mango que j'avais acheté en vente privée sur showroom privé. Je vous mettrai des liens de produits similaires en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez opter pour la version courte. Celui-ci c'est un Zara que j'adore. Il est un petit peu plus épais, donc un petit peu plus chaud. Vous avez la version longue mais bien moins fluide que la première version, et c'est sur celui-ci que je vais m'arrêter aujourd'hui parce que c'est le dernier en fait en date que j'ai. Celui-ci c'est un Best Mountain. Je n'ai pas réussi à mettre la main sur le site, donc je pense que vous pouvez le trouver en boutique. Donc voilà celui sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui, et je vais vous proposer 6 looks tout simplement pour porter le trench. Voilà, 6 versions différentes. Je vous laisse tout de suite avec les images. J'espère que ça vous plaira. Pour le premier look, je vous propose un look casual pour la vie vraiment de tous les jours, avec des couleurs très très simples à assembler. On est sur du bleu et blanc, une chemise en jean légère qui vient de chez Cimarron. Je vous propose ensuite avec un petit jean basique blanc, vous en trouvez vraiment partout. Le mien vient de chez Maje. Pour les chaussures, je vous propose les Americana Low, donc c'est la version basse de cette paire de baskets, mais vous pouvez la trouver en version montante si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît et qui s'assortit finalement pas mal avec le reste du look. Et enfin, il y a le petit sac à main, donc voilà, c'est mon petit Longchamp que je porte assez régulièrement, et par-dessus forcément la pièce maîtresse de cette vidéo, le trench. Look numéro 2, c'est un look très printanier, donc je vous propose une petite chemise avec de très jolis détails qui vient de chez Opulence Paris. Un pantalon blanc également pour ce look-ci, c'est mon monoprix taille haute que j'adore pour cet effet un petit peu marin. Côté chaussures, on est sur du André. Elles sont très très jolies, je vous les conseille pas trop parce qu'elles sont quand même assez fragiles, mais je vous trouverai d'autres chaussures fleuries en barre d'infos. Et avec, je mets mon petit sac coquillage qui vient de chez End Other Stories et que j'adore. Je vous en ai pas parlé dans mes vidéos précédentes sur les sacs à main, mais bon voilà, celui-ci sachez qu'il existe, il est vraiment trop trop chou. Pour le look numéro 3, je vous propose un look cosy, un look parfait pour aller bruncher entre copines sans trop prise de tête. Je vous propose avec une chemise qui vient de chez Cézanne, avec un petit col Mao très très mignon à rayures. Un jean de chez Best Mountain, un petit jean bleu, basique, brut. Une paire de Converse. On ne peut pas faire plus cosy qu'une paire de Converse. Et mon petit sac, le City Bag de chez Balenciaga que j'aime beaucoup. Look numéro 4, c'est un look ton neutre, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient les tons neutres par ici. Je vous avais déjà fait une vidéo sur des looks ton neutre que je vous remets juste au-dessus si vous ne l'avez pas vu. Je vous propose un petit top basique noir qui vient de chez H&M, ainsi que le sac qui va avec, qui vient également de chez H&M. Un petit pantalon assez mignon, je l'ai pris il y a 2 ans chez,
chez Zara. J'ai adoré sa forme. D'ailleurs, c'est l'amoureux qui me l'avait choisi, puisque je cherchais un petit pantalon dans ce style-là, et je trouve qu'il a vraiment bien fait. Et avec une petite paire de Converse qui fonctionnera très très bien. Et encore une fois, notre pièce maîtresse, le trench. Je vous propose un look classique et très très chic, vraiment avec lequel vous pouvez aller dîner un soir, ou si vous avez des rendez-vous, ça fonctionnera très très bien. Je commence par le top qui est un H&M. J'adore ce petit débardeur fluide. Vraiment, je trouve que H&M a fait une petite prouesse pour ce petit débardeur. Un petit jean de chez Sandro, noir, avec des petits détails en cuir sur les genoux qui changent un petit peu. Une paire de mocassins basiques. Celles-ci, ce sont des Vagabonds de chez ASOS. Et mon petit sac Chanel qui, je trouve, est là vraiment pour parfaire ce total look black, mais qui est vraiment le look chic, je trouve, par excellence. Chic, mais à la fois vraiment portable pour la vie de tous les jours. Et j'y ajoute également ma petite ceinture Gucci pour un effet un petit peu plus luxe. Et enfin, look numéro 6, c'est le look un petit peu bord de mer, fin de journée. J'ai choisi de mettre une paire de cuissardes avec, parce que les looks fin d'été dans le sud de la France, moi je vous le dis, quand vous avez le petit mistral qui se lève, ça pique un petit peu. Donc voilà, je vous propose quand même avec une paire de cuissardes, mais une petite robe marinière qui fait vraiment bord de mer. Franchement, on pourra pas faire plus bord de mer qu'avec une marinière, que j'adore. Celle-ci, c'est une marinière de chez Maje, et avec tout simplement mon trench, sachant que vous pouvez tout à fait mettre des cuissardes noires, pourquoi pas, ça fonctionnera très très bien avec le bleu marine de la robe. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère également que ce concept vous plaira. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour découvrir le prochain concept, une pièce 6 looks, en espérant vraiment que, voilà, que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo autant que moi. Voilà, je crée des looks assez simples, assez basiques pour la vie de tous les jours, ce que j'ai vraiment à cœur, de vous montrer des looks que je porte au quotidien, que ce soit le week-end ou pour aller travailler. C'est vraiment important pour moi en tout cas, de vous proposer des looks qui sont réellement portables, plutôt que des looks de soirée ou des looks qu'on peut trouver sur Instagram où on se dit c'est super beau mais je porte ça quand? En fait non, voilà, moi mon principe c'est de vous dire j'aime bien, je peux le porter. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir, à mettre un petit pouce pour m'encourager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Instagram également parce que je suis assez présente, j'y suis tout le temps. Voilà, comme ça vous le savez. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à mes dernières vidéos si vous ne les avez pas vues. Je vous fais tout plein de bisous. Salut !